parce qu'on m'a toujours dit, mais si tu veux faire ton premier film, adapte un roman. Et moi, j'étais assise sur mes convictions. Non, je veux écrire une histoire originale qui vient de ma tête. Bonjour, c'est Anna Girardeau. Bienvenue dans ma cinémathèque. Le cinéma, c'est un art extrêmement important. Et parfois, il y a des personnages de films qui peuvent permettre de nous pardonner ou nous soutenir ou nous aimer un peu plus. La vie est belle de Roberto Benigni est pleine d'humanité, plein d'amour, plein d'humour et en même temps parle de choses tellement graves et tellement tragiques et dramatiques. Mais on garde en tête la beauté de cet homme et l'humanité de cet homme qui n'était fait que de poésie et d'amour. Et je trouve que ce film est important. La maison, c'est l'adaptation du roman d'Emma Becker, qui est son histoire, son témoignage d'une expérience de vie qu'elle a faite pour écrire son livre. Elle a intégré pendant plus de 2 ans une maison close à Berlin. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil ? Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre ? Ou mon livre n'était qu'un prétexte ? Anissa a eu la bonne idée de m'associer avec Mikado, une danseuse du Crazy Horse. Et c'était une expérience assez forte parce que j'ai dû d'abord me confronter à cette force intérieure, de l'assumer, et ensuite de l'observer, de la regarder et de l'aimer. Et ça a été une confrontation qui était plus difficile que ce que je pensais. J'avais découvert le livre en simple lectrice. Je ne pensais absolument pas quand je l'ai lu qu'un jour j'allais interpréter le rôle d'Emma. Et ensuite le livre, moi, il faut le voir aujourd'hui, il est... il ressemble plus à rien, le pauvre. Il était mon accompagnant chaque jour sur le plateau parce que je voulais toujours avoir la force des mots de Emma Becker, tout le fantasme qu'elle a de ce lieu. Je voulais avoir ces mots qui m'accompagnaient aussi sur le plateau. J'ai toujours relu les 24 heures de la vie d'une femme en me demandant comment on pouvait l'adapter. J'aimerais adapter un livre d'aventure avec un personnage féminin qui traverse plusieurs pays, une épopée féminine. Justement, ce festival ciné-roman a vraiment débloqué quelque chose chez moi, parce qu'on m'a toujours dit, mais si tu veux faire ton premier film, adapte un roman, adapte une nouvelle. Et moi, j'étais assise sur mes convictions. Non, je veux écrire une histoire originale qui vient de ma tête. Et en fait, je pense que c'est pas forcément intéressant. Et surtout, c'est vrai qu'un roman, quelque part, il y a une structure qui a été travaillée. Il y a plein de questions, en fait, auxquelles tu es censé répondre quand tu écris ton œuvre originale, qui ont déjà été répondues par l'auteur. Je vais faire l'éloge des festivals de cinéma. Quelle chance, en fait, de faire aussi profiter au public d'avant-première, de le faire participer. C'est lui le sang d'un festival, c'est lui qui vient lui permettre de vivre. Et ça ramène les gens en salle, ça crée des débats, c'est important.